Bonjour à tous, c'est Barbadoux, alors on se retrouve pour une petite vidéo sur Incarnam concernant l'obtention de la panoplie aventurier que je vous conseille de récupérer avant de descendre d'Incarnam, bien sûr, avant d'aller à Strub. Donc, à savoir que chaque item est droppable sur Incarnam avec un taux de loot dans les environs de 0,9% à 1,4%, donc on va dire que c'est plutôt facile à looter quand même. Avec des challenges, ça augmente forcément, le taux de loot augmente, donc on n'est pas trop mal. Alors, première petite info. Pas forcément simple à comment dire, c'est pas expliqué, c'est pas intuitif. On peut faire un clic droit sur un monstre pour aller dans le bestiaire. Et ici, vous voyez qu'à la route des âmes d'Incarnam, on peut obtenir une cape d'aventurier sur tous les types de monstres de la route des âmes. Vous faites bestiaire sur la cape et vous voyez que ici, on peut récupérer tous les types de sur tous les types de monstres la cape d'Incarnam. Donc juste au-dessus ici dans le pâturage, vous pouvez faire bestiaire sur le monstre. Sinon bestiaire aussi c'est la touche B hein, bien sûr. Hop, vous remarquez tout de suite qu'ici c'est les bottes de l'aventurier que vous pouvez récupérer. Et sur tous les bouffetous, bien sûr à chaque fois c'est sur tous les monstres de la zone. Je vais vous montrer aussi au niveau des champs. Juste là. Encore une zone. On a chaque item de la panoplie aventurier qui est récupérable dans toutes les zones de Carnam. Donc bestiaire, ici, on peut récupérer l'amulette de l'aventurier sur tous les zones, tous les monstres de cette zone. Donc la route des âmes, c'était pour la route des âmes juste à l'endroit là où on est maintenant, c'était pour la cape. En dessous, c'est le lac, et il me semble que le lac, c'est la ceinture. Donc, sur les plic-plocs et les autres bestiaux bizarres, vous avez la ceinture de l'aventurier. Bestiaire, vous voyez sur tous les types de monstres. Maintenant, je vais vous montrer au niveau de la forêt d'Astrub. Au niveau de la forêt d'Astrub, là, j'ai pas de monstre encore. Ah si, j'ai un monstre ici. Alors, bestiaire, les chacrobates loot l'anneau d'aventurier. Et vous avez les chasseurs ici en ce qui concerne le chapeau. Je vais vous montrer directement depuis mon inventaire. Bestiaire, vous voyez tous les chasseurs du cimetière drop le chapeau de l'aventurier. Donc, panoplie. Avec 6 items, vous avez 20 partout. Mais quand vous cumulez les bonus, en sélectionnant chaque item, 47 de stats partout et 3 de dommages partout. Donc, contrairement à la boon qui donne à peu près 20, 25 et 5 de sagesse, à moins que vous cherchiez la sagesse, c'est quand même très 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 bien. Bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça me ferait vachement plaisir d'avoir des commentaires, histoire d'avoir un peu des retours sur la qualité de mes vidéos. Et sinon, bah, ça sera tout. Je vous dirai à la prochaine. Ciao.